Yahweh, Yahweh, motema yango yo, zuwa yango bomba sala ndenge lingi yo. Bonjour, je m'appelle Junior Banza. J'ai grandi à Kinshasa, chantant des chansons comme celle-ci avec ma famille tous les soirs. Notre nouvelle série de films intitulée « Pas par le pain seulement » raconte l'histoire de l'entrée de ma famille dans l'église en Suisse. Mais l'histoire de la conversion de ma famille a beaucoup en commun avec celle d'autres personnes en République démocratique du Congo et en Afrique francophone. C'est pourquoi nous avons appelé la série de films « Pas par le pain seulement ». Bien sûr, cette phrase vient de Jésus lorsqu'il a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu ». Ce sont des mots qui parlent au cœur des chrétiens africains. Lorsque la pauvreté démunit, que la maladie affaiblit, que la guerre menace ou que les prédateurs humains font des victimes au nom de la richesse et du pouvoir, en Afrique, des centaines de millions de chrétiens inébranlables et résistants sont soutenus dans leurs épreuves par leur foi en Christ et œuvrent pour un avenir meilleur. Les saints congolais n'hésitent pas à partager leur foi et leur gratitude. Plus on les connaît, plus on s'aperçoit que la paix qu'ils trouvent dans le Christ ne s'exprime pas par le solo contemplatif, le doux sentiment d'une seule personne, mais plutôt à la manière congolaise, par un ensemble de voix qui s'élèvent et chantent hardiment dans un cœur de louanges joyeuses et aimantes, une cascade tonitruante de puissance et d'émotion. Quelle est la particularité du Congo démocratique? Tout d'abord, il est situé au cœur même de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un vaste pays, le deuxième plus grand d'Afrique, dont la superficie équivaut à peu près à l'est des États-Unis. On y trouve des forêts tropicales luxuriantes et une faune unique, comme le gorille de montagne, le capi, le bonomo très intelligent, ainsi que de très gros insectes. Le pays est bordé par le fleuve Congo, le plus profond et le plus puissant au monde. Le pays a été béni par Dieu qui lui a donné de beaux enfants intelligents et enthousiastes. Mais pour les saints des derniers jours, la République démocratique du Congo est particulière pour une autre raison. C'est l'une des régions de l'Église qui connaît la croissance la plus rapide. Les frontières historiques de l'Afrique francophone couvrent une portion étonnamment large et peuplée de tout le continent. En fait, l'Église se développe si rapidement dans ces pays que certaines personnes pensent que le français pourrait devenir la langue la plus courante dans l'Église. La République démocratique du Congo compte déjà le deuxième plus grand nombre de membres de l'Église en Afrique et le taux de croissance et de rétention est phénoménal, même en comparaison avec d'autres nations africaines. La géographie de la croissance de l'Église est aussi un sujet fascinant. Au cours de la dernière décennie, ses membres se sont répartis à partir des 5 centres de force, jusque dans des dizaines de lieux éloignés dont le nombre ne cesse de croître rapidement. Beaucoup de ces avant-postes de la foi se trouvent dans des endroits incroyablement isolés, comme par exemple l'Ikassi, où en tant que missionnaire, je me réunissais le dimanche dans cette petite salle avec une poignée de membres. L'Ikassi compte aujourd'hui plusieurs pieux. Luputa, un petit village où le premier pieu a été formé avant qu'aucun missionnaire à plein temps n'y ait servi. Actuellement, 112 missionnaires de Luputa servent leur mission à plein temps dans d'autres endroits. Le plateau de Bateke,
où les membres de l'église se sont rendus pour recueillir l'histoire familiale des chefs coutumiers. Kisangani, la patrie des intrépides prêcheurs de Wagenya. En quelques années, l'église de Kisangani est passée d'une seule branche à un district comptant 6 branches. Mais pas par le pain seulement n'est pas une leçon de géographie ou de statistique. Plutôt, il raconte les histoires d'un peuple fidèle comme ceux-ci, qui ont joyeusement embrassé l'Évangile, parfois au prix de grands sacrifices. Par exemple, ces épisodes vous présentent des histoires de missionnaires, d'anciens et de sœurs brillants et dévoués, dont la dévotion devient évidente lorsque nous commençons à découvrir leur histoire. Voici Cédric Tshiambwe, qui a vendu des bananes voyageant à vélo de ville en ville pour gagner les $250 nécessaires à l'obtention de son passeport de missionnaire. Cela lui a pris 4 ans. Et voici Mathieu Kaloumé Abiloa. Sa famille a reçu un témoignage de l'Évangile rétabli dans les années 70, ainsi que de centaines d'autres saints aux alentours. Mais les villages où ils vivaient étaient si éloignés que les missionnaires ne pouvaient pas s'y rendre. Se demandant ce qui était arrivé à ces saints, 2 missionnaires de retour ont entrepris un long voyage risqué pour découvrir si ces groupes de convertis existaient encore. Après de nombreuses difficultés, ils ont appris que ces convertis non baptisés étaient toujours fidèles à leur témoignage et avaient continué à organiser l'écho du dimanche et à étudier le livre de Mormon dans leur village pendant plus de 50 ans, presque entièrement par leurs propres moyens. La mère de Mathieu a supplié les 2 jeunes hommes de trouver un moyen de baptiser ses 12 enfants, mais ils n'avaient pas reçu l'autorisation de le faire. Finalement, à l'âge de 25 ans, Mathieu a convaincu son père et sa mère de le laisser voyager seul jusqu'à la ville de Lubumbashi, située à 600 km de là, où il pouvait être enseigné, baptisé, recevoir la prêtrise et être appelé à accomplir une mission à plein temps. De manière émouvante, il raconte combien il a été touchant pour lui de pouvoir prendre la Sainte Cène pour la toute première fois dans sa vie. Dans un épisode, l'ancien Willy Binene Sabwe, aujourd'hui 70 d'Interrégion, raconte le voyage qu'il a effectué avec sa famille et de milliers d'autres personnes pour fuir les persécutions ethniques qui mettaient leur vie en danger. Sa jeune fille n'avait été qu'une suite de déceptions. Puis, tout s'est amélioré lorsqu'il a rencontré Lily, que le Seigneur lui avait montré dans un rêve. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants et construit une école. Et avec l'aide de l'Église, ont mobilisé tout le village, jour après jour, pendant 3 ans, pour creuser à la main une tranchée de 38 km à travers la forêt afin d'apporter de l'eau potable à leur famille. Un autre épisode illustre ce que nous appelons l'effet d'entraînement de la générosité. Les personnes dans le besoin sont aidées et aident ensuite d'autres personnes à leur tour. Par exemple, David et Joséphine Mwinza vivaient avec leurs enfants dans une maison d'une pièce de quelques mètres carrés seulement, située dans une rue bruyante de la ville de Kinshasa. Ils n'avaient ni électricité ni eau courante. Au milieu de la pièce se trouvait une machine à coudre à pédales, grâce à laquelle David gagnait sa vie en tant que tailleur. Il est complètement aveugle, sa femme est handicapée. Après avoir rejoint l'église, David et Joséphine ont rêvé de créer une école où les personnes handicapées pourraient apprendre à coudre et à gagner leur vie. Grâce à l'aide d'amis bienveillants, ce rêve est devenu réalité. David, qui n'a jamais vu l'école ni les élèves de ses propres yeux, enseigne habilement à sa classe comment mesurer, couper et coudre. Après des années de préparation, David et Joséphine Mwinza ont été scellés au temple de Kinshasa. Depuis 2019, 5 temples ont été dédiés ou annoncés pour les 2 Congos. Le temple est un oasis de paix pour les familles, pour les enfants et les personnes âgées, pour les logisticiens joviaux
et les travailleurs du bâtiment, pour les jardiniers dévoués et les doreurs diligents. Le temps est venu de raconter l'histoire complète des saints congolais. Maintenant, en ce moment particulier, alors que de nouveaux temples se dressent pour témoigner de la fidélité de ce peuple spirituellement sensible. Notre série de films rappellera à la génération montante du monde entier que le cœur de l'Afrique, la source de lumière, de vie, d'amour de ces peuples, n'est pas leur pain quotidien, mais plutôt la véritable parole de Dieu, désormais rétablie dans sa plénitude sur la terre.